Non, mais j'ai un cocon. Bon, parfait. Steve, bon, ok, j'attends. Hey, bien sûr. Sinon, j'en ai fait une couverture. Hey, Steve, t'as-tu vu le point des Canadiens? Non. Ouais, c'est pas vu. Ah. Ça a manqué souvent. Ah, ouais. Quand tu t'es enlevé dans le parking, il a fermé la télé. J'ai fermé la télé, dès que c'est arrivé. Ben, je l'ai ici, tu sais. Cool! Fait que merci d'être venu. On va, on a déjà fait ça, ceux qui sont là depuis longtemps, on a déjà fait ça tous les lundis soirs, je pense. Oui. Tous les lundis, tous les lundis. Puis on appelait ça l'université, CrossFit Laval. Mais... Fait que là, à la place, ça s'était essoufflé assez vite, là, juste parce qu'au bout d'un moment donné, on a parlé de tous les sujets. Là. Mais on a fait ça un peu à cause de Phil, là, parce qu'il m'a dit « Hey, tu sais, c'est bien beau les vidéos qu'il y a en ligne, sauf qu'on pourrait peut-être les remettre à jour. » Il y a plein de nouvelles personnes qui n'étaient pas à ce moment-là dans le gym. Donc ceci étant dit, je vais peut-être essayer de le faire une fois par mois. Fait que s'il y a d'autres thèmes, même s'ils ont déjà été abordés dans d'autres vidéos, vous pouvez juste m'envoyer des suggestions. Puis une fois par mois, comme ça, même s'il y a du hockey, vous allez juste manquer une fois par mois. Le prochain mois, ça risque d'être sérieux si on en manque. Peut-être que là. Ouais, c'est ça. Fait que si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à le dire les mois ou de vivre voix au gym ou par email. Comme ça, j'essaierai d'en faire peut-être une 4-5 autres sur d'autres sujets. Cool? Fait qu'on va parler de nutrition. Pour ça, le premier truc, le disclaimer, c'est qu'on va parler de nutrition pour se fueler. Pour avoir les meilleures performances physiques. Puis le byproduct de ça, ça va faire que vous allez baisser votre pourcentage de gras, vous allez gagner de la masse musculaire si vous avez besoin, vous allez baisser votre tension artérielle si vous avez besoin. Ça t'excite assez. Tension artérielle, bien, yeah, non, c'est le point. Donc, vous allez. Mais le point premier, c'est de voir vraiment la nutrition comme un fuel pour améliorer ses performances. C'est assez rare de voir un athlète qui n'a pas l'air en forme. Fait, ça va être ça le premier but, puis c'est sûr qu'après, tout ce qui va en découler, ça va être des bienfaits bien fun. Mais pour avoir ces bienfaits-là, il faut penser à essayer de maximiser sa performance. Okay? Après ça, juste avant de parler de qu'est-ce qu'il faut qu'on mange, hein? Il y a deux trucs qu'il faut que vous sachiez, bien sûr. De glucagon, glucagon. Ce sont deux hormones qui, quand on mange, vont dire à notre corps qu'est-ce qu'il faut faire avec la bouffe qu'on mange. Okay? C'est vraiment, vraiment simplifié. Il y en a d'autres, là. Il y a bien d'autres hormones, il y a bien d'autres cossins qui se passent dans le métabolisme du corps, là, mais si vous comprenez juste ça, vous allez comprendre après tout le reste, il n'y a pas besoin d'aller plus en détail avec ça. L'insuline, dans le fond, si vous mangez des glucides, fait qu'on mange des glucides. Les glucides, c'est n'importe quel sucre. Fait que ça peut être du sucre, ça peut être du pain, ça peut être des pâtes, ça peut être des fruits, ça peut être des légumes. Quand on mange des glucides, notre insuline, elle va monter. Puis ça va avoir pour le but de dire à nos cellules, hey, il y a de l'énergie dans le sang, il faut stocker ça dans les cellules. Okay. Vous voyez l'insuline comme un messager là, qui fait juste aller dire aux cellules hey, il y a trop d'énergie dans le sang, il y a trop de sucre dans le sang, il faut qu'on baisse ça. Fait qu'il faut le rentrer et le stocker dans les cellules. Ça va le stocker dans les cellules en gras. Okay. Malheureusement pour nous, on a pas mal illimité de storage en gras. Okay. Fait que ça peut fonctionner genre, très très bien ce processus-là. Le glucagon, si on jeûne, où on mange des protéines, le glucagon va monter, puis ça va faire le contraire, ça va faire monter notre sucre, notre taux de sucre dans le sang. Fait que si je ne mange pas pendant 4 heures, 5 heures, je ne tombe pas comme une plume parce que mon corps fonctionne vraiment bien, là. Puis il va dire hey, il n'y a plus assez de sucre dans mon sang pour fonctionner, ça va encore être sécrété, ça va aller dire à mes cellules, principalement hépatiques, le foie, puis ça va sécréter du glucose, ça va faire qu'on est capable de fonctionner. Si je parle à moitié chez moi, c'est pas trop grave, faites juste penser que ça fait sortir l'énergie des cellules. Cool?
Fait que résumé le début de la compte. Ce qui se passe dans la société, là, c'est qu'on ne mange pas de la bonne façon pour balancer les sujets du plus calme. On a tendance à manger d'une façon qui fait que c'est vraiment dur pour notre corps. Notre corps travaille très 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 fort pour garder l'homéostasis, là, donc l'homéostasie. Donc, de garder l'insuline et le glucagon pour garder notre sucre sanguin vraiment, vraiment, vraiment stable. On travaille super fort, mais si on mange tout le temps mal, fait que tout le temps d'habitude trop de glucides ou juste trop de bouffe, on shoot tout le temps notre insuline vers l'autre. Si je prends une autre fleur. Ça, c'est le sucre sanguin qu'il faudrait qu'il soit stable pour qu'on fonctionne bien. Si vous êtes en bas de ce sucre sanguin-là, vous êtes déjà arrivé. Là. Vous mangez comme vraiment, vraiment beaucoup. Là. Mettons, ça va au McDo, vous prenez un trio, un dessert, la frite puis le coke. 2 heures après, vous avez faim puis vous tombez un petit peu comme ça. Là. Votre sucre sanguin est rendu trop bas. Okay? Fait que si notre sucre sanguin est trop bas, les premiers trucs, c'est qu'on commence à avoir l'impression d'être un peu, de vouloir tomber endormi, là, mais on n'est pas vraiment fatigué. On a du mal à se concentrer, puis ça continue à descendre trop bas, on tombe en coma. Okay? Si ça monte trop haut, on tombe en coma. Fait que dans les deux cas, ça va pas bien. Okay? C'est pour ça qu'être diabétique, ça va pas bien. Fait que ce qui se passe, c'est que quand je mange beaucoup ou quand je mange beaucoup de glucides, mon sucre sanguin va vraiment monter. Fait que mon sucre sanguin, il fait ça. En réaction au fait que le sucre sanguin monte, ben mon insuline, elle va monter. Parce qu'elle va dire à mes cellules, hey, il y a trop de sucre sanguin, il faut stocker dans les cellules. Fait que mon insuline en rouge, elle va monter, elle va monter, elle va monter, elle va monter, elle va monter. Puis au bout d'un moment donné, elle va commencer à stocker le sucre, je vais arrêter de manger. Fait que mon sucre sanguin, lui, il va redescendre. Sauf que pour que ça se passe, mon insuline va continuer à monter et elle va dépasser, elle va continuer à monter même quand j'arrête de manger, parce que c'est pas que j'arrête de manger. Puis après ça, on va se rendre compte qu'il n'y en a plus besoin, fait qu'elle va redescendre aussi. Vu que ça a continué à monter, je vais continuer à stocker mon sucre sanguin un petit peu trop. Fait que ça va descendre en bas, c'est 5 grammes, 5 litres, peu importe. Ça va descendre en bas de mon niveau neutre. Puis c'est ça qui fait que quand je mange beaucoup, là, si je mange juste des pâtes, là, mettons, le midi, là, 2 heures après, je suis pas capable de fonctionner, là, parce que je suis là. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau fonctionne juste sur le sucre, mais qui dit, j'ai vraiment faim! Fait que tu manges encore. Ça fait ça. Puis ton insuline, elle continue à faire ça. Et tout le temps, elle un petit peu. T'es comme coudon, je mange comme un malade, j'ai tout le temps faim. Okay. Fait que c'est un peu ça qui se passe dans la société. Puis le problème, c'est que si on continue à faire ça, nos cellules, elles commencent à plus réagir à l'insuline. Ça fonctionne de la même maudite façon que si jamais j'ai fait un stage, genre, comme prof d'éduc dans une école, là, puis je devais tout le temps passer à côté du bureau de la directrice. Puis elle mettait vraiment trop de parfum. Puis, fait que la première semaine, je le sentais en tant que. À chaque fois que je passais, je me disais, oh my god, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui a renversé une bouteille de parfum. Puis à un moment donné, j'ai dû aller lui parler. Fait que je suis resté pendant 1 heure avec elle. Puis à la fin, je ne sentais plus le parfum. Parce que c'était rendu saturé. Mais il se passe la même grosse affaire. Si à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année, vous shootez tout le temps votre insuline trop haut, parce que vous êtes tout le temps en train de manger trop et manger trop de glucides. Au bout d'un moment donné, vos cellules, là, elles réceptionnent moins bien. Les récepteurs sont brûlés, sont saturés, sont plus capables de gérer l'insuline aussi bien. Fait que vous avez besoin de sécréter de plus en plus d'insuline, 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 puis vous tombez dans l'hyperinsulinie. L'hyperinsulinie, ça n'a peut-être l'air de rien, mais c'est pour moi ça qui est lié à peu près à toutes les maladies du monde moderne. Obésité, hypertension, hypercholestérol, hypertension, maladie du cœur, puis diabète de type 2. Fait qu'on ne veut pas trop tomber là-dedans. Okay? Fait que le premier truc qu'il faut qu'on fasse, c'est pour éviter ce syndrome-là. Faut éviter ça. Parce que quand vous faites ça, ça devient impossible de changer votre diète.
Parce que quand vous avez faim, vous avez faim. Quand vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de dormir. Je veux dire, dans les pires tortures, c'est d'empêcher quelqu'un de dormir. Parce que si tu as besoin de dormir, tu as besoin de dormir, tu vas dormir. Si ton corps il a faim, tu vas manger. Fait que si tu te sèches dans un endroit comme ça, c'est impossible de contrôler de ne pas manger. Ça marche pendant une journée ou deux, là. Pendant peut-être une semaine, c'était vraiment tough mentalement. Au bout d'un moment, après, tu t'arrêtes, puis ça ne fonctionne pas. Tu es comme, ah, j'ai une vache de sucre, puis tu manges 10, c'est pas rien. C'est comme impossible de contrôler ça si vous vous placez à cet endroit-là. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de ne pas manger d'une façon qui vous place là. Okay? Fait que le premier truc, ça serait de manger proche de paléo. On voudrait éviter toutes les bouffes qui. On veut éviter toutes les bouffes qui sont des poussines super raffinées. Parce que c'est facile d'en manger trop, ça goûte bon, c'est vraiment facile de devenir addict, puis ça se trouve partout. Fait que c'est trois bonnes raisons, genre que si vous éliminez ça, ça va déjà. Fait que ce qu'on peut essayer d'éliminer, produits céréaliers. Je n'ai pas dit que ça allait être facile. Non, ouais. Fait, je pense que c'est pas facile non plus. C'est plus de faux troupes. Puis. Regarde-tu des fois que c'est. Tu sais, les restes de Speed Square, c'est bon. Vous voulez manger de la viande au sens large, fait que n'importe quoi qu'une tête qu'il faut tuer pour la manger. Parce que c'est la viande d'ambiance. Okay. Du poulet aussi. Des légumes. Pendant des saisons. Un peu. Non. Ils ont juste ce jour-là, ils ont juste une charge. Puis. Un amidon. Pas de pain. L'amidon, c'est genre un glucide. Ouais, un glan. Mais ça, genre. Patate douce. Juste des patates douces, dans le fond. Juste en revenir sur l'insuline, le glucagon, quand tu dis stocké dans les cellules, là, on s'entend-tu de l'insuline quand ça stocke dans les cellules, ça veut dire du gras? Oui, donc, ça stocke juste en gras, tu peux juste stocker en gras. L'insuline te fait stocker en gras, puis le glucagon fait utiliser ton gras comme gras. En très simple, oui. Oui, en très simple. Bon, genre complexe, complexe. Pour le voir demain. C'est juste, c'est pas toutes les cellules qui peuvent stocker, c'est pas toutes les cellules qui peuvent relâcher. Mais moi, j'ai des glucides, regarde. Le système qui fait que tu parles pas quand tu jeûnes, c'est qu'il y a ça qui sort, qui fait sortir, puis que tu tombes pas dans un coma parce que t'es pas diabétique, c'est parce que ton insuline fonctionne. Alors, quand t'es diabétique, ton insuline fonctionne pas très bien, t'as besoin de t'en shooter. Les diabétiques de type 2, ils ont besoin de se shooter de l'insuline parce qu'ils n'arrivent même plus à sécréter assez d'insuline pour que ça réponde. Je vais être facile aussi, mais est-ce que c'est possible de parler de végétal? Ouais, mais pourquoi est-ce que tu veux être végétarien? Est-ce que c'est possible de juste manger des noix, des fruits et des légumes? Non. Oh, elle peut rajouter des œufs, même si c'est. Mais les œufs, ouais, si tu manges des œufs, c'est correct. Puis, honnêtement, je peux t'en sortir. Bon, il y en a même une qui est ici, Mélanie Hopper. Je peux te sortir plein de gens qui ont déjà été végétariens ultra stricts. Qui ont commencé à mesurer leur bouffe puis manger des protéines, ils ne sont jamais revenus végétariens. Ça fonctionne vraiment mieux. Si c'est parce que c'est une condition de top, ton médecin est comme si tu manges ça, il y a des bonnes chances que tu développes tel type de cancer, si ça, parce que tu as une anomalie génétique, c'est différent. Mais je pense qu'elle parle de cruauté animale. Mais si ça a plus rapport avec ça, moi j'irais genre trouver une ferme qui élève ses poules correctement. Genre je connais quelqu'un qui fait ça. Si. Tu sais, comment tes poulets dessus? Genre, je ferais beaucoup plus attention avec ça. Puis, je regardais une coupe canadienne une couple de fois, puis je remarquais que les crocodiles, genre,
bouffent de la viande. C'est pas super beau quand ils tuent leur viande. Puis on a l'air de souffrir aussi, puis se débattent. Fait que, tu sais, je me dis, faut en prendre puis en laisser. Mais par contre, je suis totalement d'accord que de toute façon, c'est mieux pour toi de manger une vache que de manger de l'herbe, plutôt que genre une vache dans un enclos qui mange juste du grain de maïs. C'est clair, 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 clair. Mais en petite quantité, si ça a été équitable, bio pour toutes les patentes, là, peut-être que tu devrais checker. Parce que tu vas fonctionner vraiment mieux. Parce que. C'est un mois. Pas juste pour le CrossFit, là, on est omnibore. Okay? Le truc, avant qu'on aille plus en détail là-dessus, là, posez-vous la question. N'importe qui a un animal chez lui, qu'est-ce qui se passe si vous ne donnez pas la bonne bouffe à votre animal? Ça va pas bien. Je sais pas pourquoi, est-ce que genre, quand on est des humains, on pense que ça va être différent parce qu'on est des humains, on est des animaux. Tu sais, prends ton chien, donne-y à manger 6 fois par jour à la place d'une seule fois, puis donne-y au lieu de genre ces croquettes bio avec du vrai poulet, genre, puis toutes les patentes genre, qui leur donnent, là, qui sont incroyables avec plein d'antioxydants. Là. C'est fou, là. Puis les gens sont rendus plus fous de la nourriture de leur chien que pour eux. Fait qu'à la place de ça, donne-y de l'herbe. Ça veut dire, ça marche pas. Fait que, tu sais, on est comme un peu fait pour manger certaines choses. On est tous un peu différents, parce que génétiquement, on est tous un peu différents. Je veux dire, la plupart des Européens ne sont pas si pires avec les produits céréaliers, on va voir, là, mais parce qu'ils ont survécu à deux guerres sur les produits céréaliers. Là. Fait que tous ceux qui étaient pas bons là-dessus sont morts. Mais... T'as rien à dire que toi, t'as le droit de manger des céréales, c'est ça? Mais je fonctionne vraiment bien là-dessus. Honnêtement. Puis mon père, à 56 ans, il est mec de même, il mange des patates. C'est pas si courant de dire tout le temps. Non, non. Fait que ça. Mais posez-vous des questions vraiment simples. T'sais, tu ferais pas ça à un animal, pourquoi est-ce que tu vas le faire pour toi? Puis je peux faire une quote là-dessus. Là. C'est pour Jerry. Jerry travaille au GNC. Okay? C'est un membre ici. Puis il y a pas longtemps, il a rappelé ça sur Facebook, je trouvais ça incroyable. Et comme on vit dans une société où est-ce que tout le monde est prêt à dépenser des millions pour perdre du poids. Ils sont prêts à faire n'importe quoi, là. Manger n'importe quelle pilule, qui ont aucune idée c'est quoi, mais ils sont pas prêts à s'entraîner puis à juste manger de la bouffe. Ils sont prêts à lire tous les livres, à lire les 1000 conférences que tu veux, genre, qu'ils vont faire tout ça, mais quand tu leur dis, genre, hey, c'est assez simple, tu sais, tu te pointes dans un gym, tu t'entraînes, puis tu manges de la vraie bouffe. De la vraie bouffe. Genre, quelque chose que tu peux cueillir, quelque chose que tu peux tuer, genre, tu le manges. Mais ils sont prêts à ça. C'est comme ça qu'on a vécu pendant des millions d'années. Et ça a juste changé dans les derniers centaines d'années. Puis on a plein de problèmes, je sens là. Je connais pas beaucoup de fermiers qui ont les mêmes problèmes que les gens qui habitent en ville. Puis tu sais, c'est juste la famille qui est dure. Ils boivent de la même bouffe. La pêche. Mais, fait, on veut manger viande, légumes, noix, fruits, tout le long, un petit peu de long pour pas de sucre. Si vous faites ça, on appellera ça manger clean. Puis, pour revenir justement à ce que Phil dit, là, après, une fois que vous avez cleané votre diète, il y a un truc que j'ai pas manqué. Ah, en fait, On est dans une série. Ça fait partie de la vraie vie. De l'eau, tu sais, faut que tu bois de l'eau. Fait que boire de l'eau. Quand tu dis pas de ça, ouais, n'importe quel sucre ajouté. Même avec des noms fancy, là, comme le stevia, zéro, plateau, plateau, sirop d'érable. C'est même du miel, sirop d'érable, c'est le sucre ajouté. C'est top, là, d'être clean. Fait une fois, le premier challenge, là, c'est d'essayer d'éliminer ça le plus possible. Après, on vit dans le 21e siècle. Ça va vraiment dépendre de vos buts. Je sais que Steve veut perdre du poids, fait que s'il veut vraiment perdre du poids, il va le faire. S'il veut pas vraiment perdre du poids, puis il est comme ça serait cool de peut-être perdre 10 livres, mais il va pas le faire parce que ça va être trop tough. Mais c'est vrai, c'est tough. Parce qu'on est addict, genre à manger autre chose. Mais le premier challenge, c'est d'essayer de cleaner votre diète. Dans le fond, quand vous allez dans le supermarché, là, de prendre pas mal les trucs dans les périmètres. C'est d'essayer d'arrêter de prendre des trucs comme des dates de péremption incroyables. Genre, tu peux l'acheter maintenant, puis tu le manges en 2022, puis c'est encore correct. C'est souvent, ça va pas. Non, mais c'est rare, tu sais. Je veux dire, les mois, je sais que ça se garde longtemps, mais c'est comme l'exception. Tu sais, quand tu achètes de la viande, tu
comme du pâté Paris, là, puis que genre la date, c'est genre dans 3 ans, tu peux encore le manger, il a sûrement été altéré un peu. C'est pas le même dans la nature. Là. Tu sais, quand tu tues une lumière, il faut que tu manges assez vite. OK? Fait que, tu sais, faut commencer par faire ça pendant 30 jours. C'est long, ce style, là. C'est quasiment des séries. Ouais, moi, ça fait bien. Fait que faut que tu le fasses pendant 30 jours, puis ça, ça va être vraiment tough. Là. C'est comme si tu as déjà essayé d'arrêter de fumer, c'est comme si tu as déjà essayé d'arrêter de boire du café, c'est comme si tu as essayé d'arrêter de manger des bonbons, de manger des ongles. Ça va être vraiment tough. Fait que faut essayer de faire ça pendant 30 jours. Du café? De l'eau. En théorie, tu ne mettrais pas dedans, de l'eau. Mais ça serait déjà moins pire. C'est juste moi. C'est juste moi, c'est vrai. On pourrait le laisser dedans. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Café noir, genre. Espresso. C'est pas la fin du monde. C'est plus important, c'est de focusser sur les grosses affaires. Mais gros, c'est quand tu mourrais 8 fois par jour. Ben justement, on va enlever ça. Autant de fois que tu veux quand t'as faim. Parce que si tu manges de la viande et des légumes, quelques noix, quelques fruits, pas trop d'amidon, ça va être plus dur de trop manger. Okay. C'est vraiment dur de manger trop de volume. Okay. Ça devient dur de manger. T'sais. Mais par contre, si tu prends un kid, tu lui donnes de la viande avec des brocolis, il risque de pas trop manger. Si tu lui donnes 2 sacs de M&M, ça se peut qu'il finisse. C'est pas mal plus tough. C'est pas mal plus tough. Pour nous, c'est pas mal plus tough de bien manger trop. Fait que déjà, ça va t'aider à contrôler, puis après, si ça va entrer dans. Il y a des indices glycémiques, là. Quand tu manges du pain, ça s'évapore très vite dans ton sang. Quand tu manges du brocoli, ça prend longtemps. Fait que ça va aider aussi à contrôler ça quand tu manges de la viande. Une fois que vous avez fait ça pendant 30 jours, là, vous pouvez commencer à checker ça. Fait que vous pourriez essayer de reboire du lait. Ouais. Fait que là, après 30 jours, s'il est comme... Je bois du lait. Fait que là, je sais que tu vas boire beaucoup de lait. Là, maintenant, un gallon de lait plus tard. Bonne chance. Un gallon de lait plus tard. Si, il va voir. S'il y a plus d'énergie, il performe mieux dans le gym. Avec du lait. Ben, il y a des bonnes chances que le lait soit bon pour lui. OK? Si tu commences à avoir le nez qui coule, genre, après ton premier verre, tu as une réaction. Parce que ce qui se passe avec ces produits-là, c'est que beaucoup de gens ont des réactions auto-immunes ou allergiques. Sans trop le savoir. Tu vois, tout le temps avec. Mais quand tu l'enlèves, quand tu le remets, ça se peut qu'il y ait comme des réactions un peu spéciales, comme que t'as le nez qui coule quand tu bois du lait. Okay. Fait que ça, c'est pas normal. Fait que ça veut dire que le lait, si tu l'as pas super bien, garde-le peut-être pour les cheat nights, mais that's it. C'est même plus cheat day, mais c'est cheat night. Ouais. c'est pareil. C'est pareil quand tu fais céréales. Fait qu'essayez-le de les rajouter à ce moment-là. Pour le 30 jours, il y a plein de produits comme du pain sans gluten. Ouais, mais enlève tout ça. Ça, c'est tout des déguisements d'Halloween. Puis l'amidon, ça se trouve dans où de base? L'amidon, tu pourras en avoir justement dans les patates, dans le riz. C'est comme. L'amidon, c'est comme pas un. Comme un fruit ou genre un. Ou une légumineuse en particulier. C'est juste. C'est du glucose. C'est juste soluble dans l'alcool, pas dans l'eau. C'est blanc. C'est pas de blanche. Puis c'est très, très, très haut en glucides. La teneur glucide est vraiment haute. Fait que c'est pour ça que tu ne veux pas en manger trop, mais justement, il y a pas rien, il y a des patates. Quand tu manges genre, du pain, il y en a dedans aussi. Tu manges du pain blanc, tu le mâches genre, jusqu'à temps que tu casses l'amidon, ça devient du sucre, ça commence à goûter sucré. Tu as jamais fait le test, là. Après, il y a une autre chose, c'est ça. Tu manges genre, comme la gomme du pain blanc, ça devient sucré. Tu te rends compte que du pain, c'est du sucre. Quand ça va dire un ananas, hein? Fait que la première chose, c'est pas ça. La chose, vous testez ça. Puis vous allez pouvoir savoir en fond qu'est-ce que vous tolérez et que vous ne tolérez pas. Puis le seul problème avec ça, c'est qu'il faut vous fatiguer. Parce que si Maxie, elle fait, puis après, elle prend des produits céréaliers le matin parce qu'elle prend des céréales chaudes, puis elle aime vraiment ça, puis elle se remet à faire des PR, elle a plus d'énergie, puis ça va vraiment mieux dans sa vie, ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour Marie. Il faut qu'elle le teste. Parce qu'on a tous, justement, des réactions différentes, puis on a tous un patrimoine génétique différent. Puis même en frère et soeur, c'est pas la même chose, d'accord. Même dans le ça se peut que ce soit plus précis, là. Ça se peut qu'il y ait plus. Mais même à ça, c'est pas 100% sûr. Après ça, on
faire les choses. Ouais. Check ça avec Eugénie, tu me diras. Quand même plus grande que moi. Tu me diras. Là, après ça, comme Marie disait, mais là, c'est combien que fois je mange, puis tout ça, là, ça devient compliqué. Le riz, c'est correct. Bon, enlève le riz. Puis tu le rajoutes après, j'en mangeais à soir tantôt. Je veux dire, après, tu le testes pas. Je veux dire, c'est pas nécessairement à proscrire. Le truc que je dis souvent, tu sais, c'est, tu connais, tu connaissais sûrement tous quelqu'un qui est allergique au noir. Ouais. Ça veut pas dire que vous mangez pas de noir. Pas parce que cette personne-là est allergique que vous êtes nécessairement allergique. Fait que c'est pas parce que, tu sais, c'est pas parce que je mange du riz que toi t'es nécessairement tolérant avec le riz. Tu vas le tester, tu vas le savoir. Comment tu te sens, comment tu performes, ça va te le dire tout de suite. Comment t'as de l'énergie dans la journée. J'avais vu que pendant 30 jours ça comprenait le riz brun. Ouais, mais fais juste 5 pieds, puis genre. Pas de riz. Ouais. Parce que ça, tu as lu le 30 jours de paléo. Ça, c'est pas nécessairement paléo. Parce qu'après ça, tu vas rajouter, tu vas manger clean pour toi. Puis manger clean pour toi, ça se peut que ça inclut les produits laitiers. Ça se peut que ça inclut les produits céréaliers. Ça se peut que ça garde les légumes aussi. Ça se peut que ça ait du café. Ça se peut qu'il y ait de l'alcool dedans. Il y a des gens qui fonctionnent très très bien, là, genre en buvant un verre d'alcool tous les soirs. Ils fonctionnent très bien. Oh. Il y en a qui fonctionnent vraiment mal. Fait qu'après ça, une fois que vous avez fait ça, le truc qui est le plus important, c'est qu'il faut commencer à mesurer. Puis ça, c'est la même analogie qu'avec votre chien. Genre, vous avez une tasse de bouffe à lui donner, vous ne donnez pas deux tasses. Vous n'avez pas un quart de tasse non plus. Fait que si ça marche pour les chiens, c'est les mêmes faire, bonne chance ça marche pour nous autres. Right? Fait que zone, ça va vous aider à balancer ça par rapport à votre masse maigre. Parce que le but, dans le fond, de zone, ça va être de vous donner une alimentation balancée pour maintenir votre masse maigre. La masse maigre, dans le fond, c'est toute sorte de votre gras. Puis après ça, ça va vous donner le nombre de protéines que vous avez besoin de prendre. Puis après ça, on va rajouter les glucides et les gras qu'on a besoin. Okay? Fait que ça se peut très bien que deux personnes qui pèsent le même poids ne mangent pas la même chose parce qu'ils n'ont pas nécessairement la même masse. Puis l'autre coefficient aussi, ça va être votre activité physique. Fait que ça se peut que si vous travaillez toute la journée assis, vous ne mangez pas la même affaire que, mettons, Chris qui est sur la construction, puis Elliot qui sont sur la construction, puis en plus qui vient de faire des workouts à la fin de la journée. Parce que là, leur niveau d'activité va être fou. Cool? Une façon vraiment simple de trouver votre nombre de blocs que vous avez besoin de manger, c'est de demander au scanner map et de vous dire le nombre de blocs. Ça va être relativement facile. Okay. Fait que, cassez-vous pas la tête avec ça, vous avez pas besoin d'aller vous faire checker genre votre pourcentage de gros, n'importe quoi, je vais vous dire à combien commencer. Puis comment ça va marcher, c'est qu'il va y avoir des blocs. Fait que c'est une unité de mesure. Au lieu de compter les grammes, d'avoir genre 200 grammes de ci, puis 100 grammes de ça, tout ça, c'est des blocs. Okay. Vous allez avoir un nombre de blocs à manger. Comme quand j'ai commencé zone, j'avais 15 blocs à manger. Un bloc, ça va être des protéines, des glucides, des gras. Si vous êtes précis, c'est 7 grammes de protéines, 9 grammes de glucides, 1,5 grammes de gras. Ça, c'est un bloc. Donc moi, il faut que je multiplie ça par 15 dans ma journée. C'est par jour. Ouais, par jour. Fait que ça veut dire que je peux avoir le matin, midi, soir, je peux prendre 4 blocs, 3 fois 4 ça fait 12, il me reste 3 blocs, je peux prendre un snack ici de 2 blocs, et un snack le soir de 1 bloc. Ou vous l'organisez comme vous voulez. Vous l'organisez comme vous voulez. Ça n'a pas besoin d'être organisé comme ça, mais il faut qu'à la fin, ça soit égal à 15. OK? Ça soit égal à chaque repas. À chaque repas, un bloc, c'est ça. Un bloc.
bloc, tu peux pas le défaire. Un bloc, c'est ça. Un bloc, c'est salière de protéines, la viande glucide, 1,5 g. Quand tu commences. Un bloc, c'est ça. Fait que c'est jamais dissocié. Au début, on parlait d'éliminer des glucides. Ouais, je regarde, puis je vois comment. Tu n'élimines pas les glucides. Ben, c'est ça, je vois. Les glucides d'absorption rapide, puis vraiment raffinés. Mais mettons, des fruits, ben donc, les légumes, c'est tout des glucides. Ok, c'est ça qui est dans le verre. C'est tout des glucides. Ouais, exact. Là, ça vous dit rien. Non, seulement. Fait que, si on fait un exemple. Fait que là, mon matin, 4 blocs. J'ai besoin d'avoir ma section protéines. J'ai besoin d'avoir ma section glucides. Puis j'ai besoin d'avoir ma section gras. Zone, si vous faites des recherches sur Internet, là, c'est une mauvaise idée. Parce que c'est supposé être vraiment, 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 vraiment simple. Puis là, le gars qui a parti ça, il s'appelle Barry Sears. Il y a plein de gens qui l'ont repris, puis qui sont devenus un petit peu trop geeks avec ça, puis qui calculent des moins 2 blocs de ci avec ça, tout ça, puis c'est 1000 fois trop compliqué. Le but, c'est de simplifier la vie. Okay? De toute façon, comment ça fonctionne, on en jasait juste avant, là, que genre certaines personnes, mettons dans le saumon, on disait c'est pas juste des protéines, il y a des gras aussi, il y a ci, ça. Cassez-vous pas la tête. Tant que vous mesurez tout le temps de la même façon, ça va être correct. Parce que le seul truc qu'on fait, là, c'est avoir un baseline commun, puis on peut parler, là, puis je peux demander à Erika combien de blocs elle prend. Puis ça me donne une idée de qu'est-ce qu'elle prend. Puis après, je lui demande un peu, ben montre-moi tes recettes. Puis je suis comme, ok, c'est ça que tu veux dire par un bloc. T'es resté simple comme ça, puis c'est ça. Mais comme elle mesure tout le temps de la même façon, c'est correct. Même si ce sont 12 blocs, il vaudrait vraiment 13,2. Mais le calcul toujours pareil, fait que son 12, il vaut tout le temps 13,2, puis on s'en fout un peu. Vous voyez le principe? C'est si on se rend compte demain matin que la cope qu'on a utilisée pendant les 5 dernières années, la ligne n'est pas exactement au bon endroit, c'est pas grave, là, parce qu'on s'est tout basé avec ça. Puis après, on va faire des changements. Je suis plus du tout à 15. Je suis à 30 blocs. Ok, fait que ça a changé. Puis je suis plus du tout à 32. Protéines, 32 glucides, puis 32 gras. Tu dis que t'es à 105. Ici, je suis presque à 150. Parce que c'est pas mal 3,5 que je fais en ce moment avant les jours. Ben, je suis à 150 blocs de gras. Les glucides, je suis à peu près à 28. Puis les protéines, je suis à 32. Fait que mon 32 blocs, je ne peux pas dire le même 32 blocs qu'en tout. Mais avant de commencer à tout jouer avec ces patentes-là, il faut commencer de voir. Ça va être le même principe. On va le faire pendant exemple 30 jours, puis après ça, je vais parler avec Antoine, et comme moi, tu sais, j'ai tout le temps faim. T'es pas bon, on va essayer de le modifier un peu. Ou, je suis jamais capable de finir mon dernier repas. Je pourrais avoir un snack avant de me coucher, puis genre, je le finis jamais, puis on va l'adapter. Okay? Puis ça, c'est pas grave du tout. Le point de zone, c'est de mesurer. Puis comme ça, le cas de trouver la recette que, genre, pour Nadia, fonctionne vraiment bien. Puis ça n'a pas besoin d'être exactement la même recette que pour Marie. Mais à la base, on va commencer pareil, puis après, on tweak pour que ça marche parfaitement pour cette personne-là. Mais si on ne mesure pas, c'est impossible pour Nadia de savoir pourquoi elle s'est bien sentie dans tel workout. Peut-être qu'elle a mangé un peu plus, peut-être qu'elle a mangé un petit peu moins, elle ne sait pas, parce qu'elle n'a pas mesuré. OK? Fait. Quand on est enceinte, 4 blocs, ça veut dire que je vais avoir 4 blocs de protéines, 4 blocs de glucides, 4 blocs de gras. 4 œufs, c'est 4 blocs de protéines. Glucides, une pomme, un toast, ça fait 4 blocs de glucides. Les gras, j'ai besoin de 1 cuillère de beurre d'amande. Sur ma tasse, puis ça fait mes gras, mes 4 blocs de gras. Fait que ça serait mon déjeuner. Est-ce que le beurre gros? Tes toasts, c'est du pain brun, mais c'est pas grave la toast là. Okay. Garde le 5. Tu vas tout le temps manger le même pain, right? C'est bon. Ouais. Right? Oui. Le midi, je vais prendre 4 onces de poulet. Cuit, parce que c'est le même que je le mange.
gluten. Le gluten est la raison pour manger. Regardez ça simple. Avant de vous manger, comme Cam, si vous regardez ces vidéos, là, ça passe au noyer des protéines. Là. Fait que pour passer au noyer des protéines, c'est dans la forme dans laquelle vous mangez. Si vous mangez un steak tartare, ben, c'est cuit. Cuisez-le pas avant, ça ne marchera pas. Okay. Fait que c'est la même chose avec les légumes. Si vous les mangez cuits, ben, vous les mesurez cuits. Si vous les mangez cru, vous les mesurez cru. C'est pas exactement la même quantité, vous allez voir. Fait que j'aurais 4 onces de poulet. 1 quart de tasse de patates douces, c'est 1 bloc. Fait que une tasse de patates douces. Puis pour les gras, 3 amandes. C'est 1 bloc. J'en ai besoin de 4 avec 2 amandes. Juste 4. Si t'en achètes des vraiment petites, tu peux tout le temps en prendre 13. Ok? Après ça, pour mon snack, j'ai besoin de 2 blocs de protéines, je vais prendre 2 ficellos. Ça, c'est du fromage. Puis chaque bout de fromage fait 28 grammes, puis une once, c'est 28 grammes. 2 ficellos. Glucides, je vais manger 2 clémentines. It's just like 2 pieces of cheese of like 30 grams each. Non, non, string cheese. On va en parler. Fromage cottage. 2 clémentines, puis pour les gras, 2 noix de macadam. 2 noix de macadam. 2 macadam. Wow, hein, c'est, on va se bourrer après ça. Hein? C'est genre. Ah, ouais, c'est vrai, en tout cas. T'es tête longtemps, hein, les gars. Non, non, non. Est-ce que vous avez déjà vu le sketch de Jean-Marc Parent avec son ventre rouge quand il est tourné? Oui, oui, c'est ça. C'est ça, la mode de la cadence. T'assises un peu, t'as mis sur le bureau, puis t'as reprends, puis. Il t'appelle. Fait dans le fond, le principe que je vais vous montrer, là, c'est que dans son. Peu importe ce que vous mangez, il faut que ce soit mesuré. Le soir, je m'en vais au restaurant. Okay? Puis je prends 2 verres de vin, des vrais verres de vin, pas genre des 250 ml chaque. Là. 2 verres de vin, ça compte pour 2 blocs de glucides. Donc il me reste 2 blocs de glucides à prendre. Okay? Fait que, mettons que je vais prendre un steak de 4 onces. Ben, si tu prends un steak de 6 onces dans un restaurant, eux autres sont un peu sneaky, ils calculent quand ils crient. Ouais. Fait que le 6 onces, il devient pas mal 4. C'est vrai. Marie se travaille dans les cuisines. Ouais. Fait que 4 onces, si vous prenez 6 sur le menu, ça fait 4. Puis il va aller pile. Oh, il va aller pile. Il va même peut-être être 5. Non. 2 verres de pain, ça fait 2 blocs de glucides. Puis avec ça, j'ai pris une salade d'entrée avec mélange en maison. Fait que j'ai des tomates, des concombres, puis tout ça. Ça va faire à peu près 1 bloc. Une grosse salade, parce que les légumes, ça compte beaucoup. Puis avec mon steak, j'ai demandé d'avoir genre l'accompagnement de champignons. Fait que vu qu'ils sont cuits pendant super longtemps, ça augmente l'indice glycémique, ça va être à peu près un bloc. Mais ça, c'est tout écrit, je veux dire. Un bloc de champignons. Puis les gras, mon steak, il y a un peu de beurre dessus, fait que j'ai mal à ça. C'est quoi, t'as dit? Beurre? Ouais. Là, je rentre chez moi. Je dors, mais il me reste un snack. Fait que je peux prendre. Une demi-pomme. Une demi-pomme. Tu fais aller coucher la commande là? C'était plus de melon d'eau. 3 amandes. C'est quoi ton protéine? Puis, ton sauveur. Puis, un reste de mon midi, une once de plus. Ah, quelle heure là? On roulait dans le dos. Peu importe c'est quoi, peu importe. Moi, c'est un peu ça que je fais, c'est pour ça que je le fais. Ah! Oh. Ben, peu importe ce qu'on a. Ce que je veux vous montrer, c'est que dans le fond, à l'exemple, le seul truc, c'est que vous allez devoir avoir une balance.
une tasse à mesurer. Puis tout ce que vous allez manger va passer genre au douanier genre de la bouffe. Fait que tout doit être mesuré. Comme on est tous des gens d'habitude, vous mangez tout le temps, tu sais, peut-être 13 à 15 aliments différents dans la semaine. C'est assez rare qu'on change de ça. En tout cas, j'ai pas connu beaucoup de gens qui changent vraiment de... Fait! Il y a un livre qui s'appelle Zone Food Blocks. Ah, il est donc bien beau. Il y a un livre qui s'appelle Zone Food Blocks. Il est donc bien beau ton livre. 6x4, c'est quoi là, le numéro là? 611. Appelle-le. 611, appelle-le. Fait que là-dedans, il y a comme la section glucides, protéines et compagnie. File-le, moi je l'ai. Tout ce que vous faites, en fond, c'est que vous listez tous les aliments que vous mangez. Demander comment les mesurer. Manger des patates douces, pour vous dire c'est quoi? Faites attention. Ok, mais ben, si vous mangez des patates douces, vous dites, hey, je mange des patates douces, c'est quoi la quantité? Puis on va vous le dire. Je mange des œufs, on va vous le dire. Je mange du poulet, on va vous le dire. Puis on regarde aussi simple que ça. Les gras, genre, je prends plus d'olive, des beurres, du beurre, je suis prêt à manger des noix, quel noix je devrais manger, on va vous le dire. Puis une fois de temps en temps, quand vous n'êtes pas sûr, puis qu'il y a quelque chose genre qui sort d'ordre de l'ordinaire, vous allez commencer de toute façon à avoir le feeling de comment ça va filer à la fin d'un repas. Fait que vous allez être capable de le mesurer, puis sinon c'est pas la fin du monde, c'est une fois dans la semaine, dans le mois, dans l'année, vous ne mangez pas exactement ça. C'est correct. Puis la prochaine fois que vous me demanderez, il y avait du céleri rare, je ne savais pas comment le mesurer. Puis genre, on va vous dire c'est quoi. Est-ce que ça c'est pendant 30 jours ou c'est un autre? Ça c'est toute la vie. Elle commence là, David. Non, mais pas de question, pas de question. Fait que ça, vous pouvez le mesurer tout de suite. Ok, s'il vous plaît. Ça dépend vraiment des gens. Tu sais, c'est est-ce que tu es prêt à commencer demain matin à cleaner, manger clean, puis à mesurer? Go! Genre, c'est parfait, c'est ça qu'il faut faire. Ok? Assez souvent, si je fais ça dans un événement CrossFit, on dit. Ça, dans le fond, c'est la prescription. C'est genre RX. RX, le workout RX de bouffe, c'est genre de manger clean et de mesurer. Mais, comme vous savez, à chaque fois que vous venez au gym, il y a bien des journées où vous devez modifier le workout. C'est la même petite affaire. Fait que vous pouvez modifier le workout et être comme, ah, t'as peut-être 315, c'est un peu pesant pour moi. Je vais baisser. Puis là, vous dites, bon, c'est déjà bien compliqué pour moi de ne pas manger de one cream. Je vais commencer avec ça. Mais, pareil que quand vous faites des workouts CrossFit, au début vous prenez l'élastique pour les pull-ups, ça vous gosse. Vous blessez le cadre dans le pull-up, right? Fait que c'est la même chose. Si vous commencez avec juste ça, il faut que ça vous gosse. C'est pas le truc complet. Il faut commencer à mesurer un moment donné. Puis au bout d'un moment donné, vous allez voir, ça va dépendre de vos buts. Si vous voulez performer, vous allez constamment mesurer. Parce que vous allez voir que votre performance change drastiquement. Au dernier séminaire qu'il y a eu ici, ma sœur était là. Ça fait depuis que je fais du CrossFit. Même 2 ans avant, je connaissais déjà un peu paléo, parce qu'on avait un médecin sportif qui me parlait de ça. Fait que ça fait 10 ans que je la gosse avec ça. 10 ans. Imagine quand tu gosses, toi, tu dois gosser. Oh oui! Mais à chaque fois, pas de travail, je fais ça. Ça fait 10 ans que je la gosse avec ça. Elle est allée voir, l'année passée, un nutritionniste. Quand elle a eu des bons résultats, elle est venue au séminaire, puis j'ai comme un peu dit à tout le monde dans ma phase, c'est 30 jours, faites ci, faites ça. Elle l'a fait. En juste 2 semaines, elle a descendu de 2 minutes son temps de 5 km à la course. Elle a monté de 120 son clean à 135. Ça fait 4 ans qu'elle fait du crossfit. À bon niveau, elle ne sait pas d'aller aux games, elle fait ça pour le fun. Mais je veux dire, elle a tout de suite vu la différence. Vous allez tout de suite avoir une différence dans vos performances. Si c'est bien mesuré. Fait que si vous voulez continuer à aller là-dedans, vous allez tout le temps mesurer. Si vous êtes plus comme, ah, tu sais, bien-être, j'aimerais ça vivre aussi un peu, tout ça, c'est bien correct. Juste, ce que vous allez faire, c'est après 30 jours d'avoir tout mesuré, vous allez être comme, ah, les 2 prochaines semaines, je vais y aller à l'œil. Puis la dernière semaine du mois, à chaque fois, vous recalibrez votre œil. Parce que le 4 onces de viande, vous devenez 6. Mais après, c'est oh, OK, genre, OK. Fait que là, vous faites une semaine parce que vous mesurez, vous faites 3 semaines. Vous voyez le principe. Mais vous allez juste avoir,
vous allez juste avoir une partie des résultats. Okay? C'est le même principe que quand vous nous voyez s'entraîner pour les regionals, on en fait 2, 3, 4, parfois 5 fois plus que vous, parce qu'on essaie d'avoir plus de résultats. Puis c'est correct, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon parce que vous ne le faites pas. Mais avec la bouffe, c'est la même affaire. Il faut avoir un peu des résultats, plus. Si le résultat, c'est au niveau performance, au niveau perte de gras, ben, au niveau santé, hypertension et compagnie, je mesurerais pas mal plus. Vous allez avoir beaucoup plus de résultats beaucoup plus rapidement. Puis la chose qui arrive, c'est que ça fonctionne. Fait que c'est un petit peu comme CrossFit. C'est vraiment gossant de faire des workouts, surtout quand Matt est là. Right? C'est vraiment gossant de faire des workouts sous la pluie comme hier. Okay? Surtout quand il y a des cleans juste après. Mais vous le faites pareil! Parce qu'il y a des résultats. Parce que vous êtes comme, ah, je sais que ça vaut la peine de le faire. Fait que là, pour le moment, vous êtes comme, de la même façon que la première fois que vous êtes rentré dans le gym, si vous avez dit que vous allez courir sous la pluie 5 km, vous aurez dit, no way. Fait que là, quand vous regardez ça, c'est la même chose à faire. Fait que, Matt est un petit peu fou, là, il mesure toutes ses patentes, tout, tu veux que je fasse ça, c'est même trop tough. Mais c'est le même principe que quand vous avez vu la première fois un gym de CrossFit, avec des gens qui touchaient les bois partout, vous êtes comme, j'ai jamais de galère à faire ça. Fait que, faut vous commencer tranquillement, mais si ça marche, je vais pas avoir besoin de vous convaincre de continuer. Ça devient vraiment simple. Okay, c'est la meilleure chose qui peut pas vous arriver. Ça m'est arrivé juste après m'être marié. Je gossais vraiment Virginie à faire ça. Okay, puis elle le disait un petit peu plus pour avoir la paix que parce qu'elle pensait que ça marchait. Fait que... Okay. Puis là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti 3 semaines en France. La première semaine, en voyage de noces, puis l'autre semaine, pour que je fasse rencontrer toute ma famille là-bas. Fait que la première semaine, ça allait bien, parce que j'étais en charge de la bouffe, et mangeais bien. Puis après ça, ma famille était en charge de la bouffe, et mangeait pas très bien. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'après une semaine, on s'est toutes les deux regardées, puis on est comme, j'ai tellement hâte de mesurer. J'ai pas d'énergie, je me sens vraiment mal, je me sens comme une patate. Je suis plus capable de courir pendant une minute. J'étais soufflé quand je fais ci, ça. Mais c'est la même chose qui n'aurait pas pu arriver. Imagine si pendant 3 ans, j'avais gossé à faire ça. On s'en va, on fait n'importe quoi, puis on se sent super bien. C'est clair qu'on ne le fait plus jamais. Mais là, on le fait encore, là, puis elle mesure encore toutes les lunches, tout. Pourquoi? Parce que quand on le fait pas, on est comme, oh shit, je me sens vraiment pas bien, j'ai moins d'énergie, ça va pas. Fait que, dans le fond, il faut que vous l'essayez, puis il faut vraiment toffer les premiers 30 jours. Parce que après ça, je ne vous gosserai plus avec ça. Parce que c'est vous autres qui allez vouloir le faire. Vous allez arrêter, vous allez être comme, wow, OK, ça s'en va pas bien quand je fais pas ça. Fait que là, vous allez recommencer. Ça nous arrive même à nous autres aussi. Quand on finit l'Originals, ou cette année, j'espère, si on finit les games, on fait comme une semaine, on s'en fout un peu. Après 3 jours, on est déjà arrêté. Parce qu'on est comme, ah, c'est fini, je suis pas capable de. Voyage beaucoup, comment je pense. Genre, ouais, moi, ouais, ça. Mais qu'est-ce que tu commandes? Ben, des plats. Yo, j'ai déjà été dans les restaurants avec ça. Puis c'est là que j'ai appris que 6 ans, c'était pas 6 ans. Parce que j'étais comme, ma barre, c'est 4, madame. Elle m'a dit que c'est 6, ça. C'est là que j'ai appris. La chaîne va expliquer, on mesure plus. Oui, j'ai eu un bon service à faire. J'ai eu un vraiment bon service. Mais, vous pouvez être un peu fou de même ou pas, là, parce que je veux dire, c'est que si tu mesures pendant la semaine, après, tu as une bonne idée de c'est quoi 14. Tu sais, tu vas commander ton steak, tu sais, que tu vas faire comme tous les gens avec qui, sur le seminar staff, là, les fins de semaine, là. À part le samedi soir, parce que c'est la journée internationale cheat night. Tous les autres moments où est-ce qu'on mange. Si on va au restaurant et qu'on a besoin de 5 onces, là, assez souvent, quand c'est aux États-Unis, c'est un peu trop gros les portions. On coupe le steak en deux et on est rendu avec 2 repas. Comme tu peux faire un duck back, boum, le lendemain, je suis mon lunch. Puis j'ai 2 lunchs de 5 blocs, boum, c'est réglé. Tu commences à avoir une super bonne idée d'une purée de patates, genre ça fait combien à peu près? Puis t'es à un bloc près, puis c'est correct. Tu sais, je veux dire. Si justement tu te prépares pour aller à une grosse compétition,
Ben comme là, cette fin de semaine, je vais avoir ça. Parce qu'on a une compétition qui s'en vient en 3 semaines. Fait que je peux pas niaiser. Mais, tu sais, je veux dire, le reste du temps, j'aurais fait à l'œil. Mais quand t'es pas dans les games ou regional, t'es à combien de blocs, toi? Je sais que t'es. 20 blocs. Tout le temps. J'étais à 20 blocs, puis là, ça, c'est quand je fais 2 sessions par jour, ça va être. C'était 150 grammes de gars. Non. C'est multiplier ça par 150. Ah, ok, c'est multiplié. Ok. Fait que ça fait 250. Mais peu importe ça, c'est juste pour vous montrer qu'une fois que vous allez avoir fait ça pendant un mois, là, on jase. Il était à combien, Ben, lui? 18, ça. 20. 20? Ouais, 20. 20, 20, c'est vrai, c'est vrai. On avait monté, il était à 18. 20, 20, 60. Mais Ben, ça a bien marché. Ah, j'ai perdu 9 en 2 semaines. Ben, il mange, je l'ai fait manger plus, il a perdu du gras. C'est ça, quand on pense que tu es maintenant et tout, il y a comme on pensait aussi dans le domaine où tu fais 2 journées strict, 2 journées high carbs, 2-3 journées strict. Oh, c'est pas ça. La seule utilité des cheat nights, genre cheat de repas, c'est juste. Dans d'autres diètes, non. Les diètes en bodybuilding, c'est 0 carbs. Les low carbs day, là, ils mangent 25 grammes. Fait que ça, c'est 3 blocs. Fait qu'ils mangeaient genre plus que 32 blocs de protéines, 3 blocs de glucides, puis un petit peu de gras. Fait qu'ils sont tellement en déficit, il y a un moment donné, il faut que tu rebalances. Mais les cheat night, les cheat day, tu t'en sers plus pour. Ok, c'est vraiment dur du lundi au vendredi. Exemple, même chose, quand nous on est sur la route, là, c'est vraiment gossant quand t'es sur la route, de manger, je peux te dire, j'étais à Barcelone, mes lunch, là, je suis allé acheter du prosciutto, puis un sac d'orange, puis un sac de noix. C'est ça que je mangeais. Fait que t'es comme, c'est gossant, tu sais, genre je pourrais aller manger, même ta part, si, ça, tu sais. Mais tu sais que le samedi soir, on va bien aller manger, puis je vais essayer de jouer pas tant que ça. Fait que ça te permet de rester, tu sais, focus. Même chose avec toi, tu sais, de dire non. De dire non, je vais pas prendre de dessert, non, je vais pas prendre ci, non, ça, ça te gosse s'il y a comme zéro faim. Mais si tu sais, genre, hey, je fais ça parce que vendredi soir, je peux aller manger de la crème glacée avec Ben & Jerry et tous mes amis, parfait. Mais je veux dire, ça t'aide quand même. Mais si mentalement ça va, c'est pas obligatoire. Si mentalement ça va, tu pourrais être strict. Moi, les 2 premières années, je suis un peu freak. Les 2 premières années, j'ai mangé 15 blocs, 365 jours par an. Oh! Les seuls cheats que je faisais, c'est que je mangeais de la moins bonne qualité, mais je le calculais. Si j'allais dans un party, je prenais 4 bières, si je prenais 4 bières, j'avais 4 blocs de glucides. Fait que j'allais manger des ailes de poulet. Pour que ça soit balancé. C'est un petit peu freak. C'est un petit peu freak. Mais, fait que tu peux très bien vivre avec juste. C'est ça, le fait pour aller brûler plus de gras, le fait de. Mais tu vas brûler plus de gras parce que c'est juste basé sur ton lean body mass. Fait que, dans le fond, si tu prends, mettons, prends réal pis moi, même si on pèse pas le même poids, il va manger moins que moi parce que j'ai plus de masse musculaire que lui. Mais il pèse plus lourd sur la balance. Pis ça se peut que genre Steve pis moi, on mange la même affaire parce qu'on a la même masse musculaire. Mais sur la balance, on n'a pas le même poids. Fait que là, ça. Mais, fait que c'est ça que ça fait. Mais ça, pour les. De toute façon, pour ça, en fait, juste, je veux te dire le nombre de blocs que tu peux prendre à peu près. À l'œil, ça se fait, ça se calcule vraiment bien parce que je l'ai fait avec 9 personnes. Puis de toute façon, c'est juste pour quelques semaines. Puis après ça, tu vas dire. Ça va pas bien, tu sais, j'ai tout le temps faim, on va essayer un bloc de plus ou on va essayer d'augmenter les gras un petit peu plus. Puis on va jouer avec. Oui, mais normalement, t'as pas parce que t'as plus ça. Je veux dire, là, il me reste 6 blocs à manger sur les top. Il te reste 6 blocs? Ouais, 2 blocs. Il est là-bas, ouais. Sur les top. Il faut tes mal. Oui! Parce que je sais que je fonctionne vraiment bien. À cette prescription-là, que j'ai faim ou j'ai pas faim. T'as mis 2 années. Il y a d'autres journées, je veux dire, où est-ce que ça aurait été le contraire? J'ai déjà quasiment tout fini mes blocs, puisque moi je vais avoir faim, mais je sais qu'il faut que je mange plus. Deux. Là, j'ai pas compris le cheat meal. Il y en a pas. Oui. Comme, mettons, moi, une fois par semaine,
une jupeur pour pas partir. Mm-hmm. Et là, tu écrivais pour moi, du vin, c'est un peu. Ça se fait dans ton cheat. Ça se fait dans ton cheat. Comme dans les deux, tout ça. Non, non, t'as raison. Mais ça serait mon cheat. Mais c'est parfait. Mais pas plus. Tu sais, je veux dire, mettons, je prendrais du vin, le sang, les pâtes. Ce n'est pas un cheat, c'est vraiment pour toi, mentalement, être capable de te faire. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que si pour toi le cheat, moi le cheat pour moi, là, c'est quoi? Si je m'en vais dans un restaurant, je risque de manger vraiment close, vraiment proche de clean, mais je vais manger la quantité que je veux. Fait que souvent mon cheat, là, c'est comme un gros steak avec ben de la salade César. Je veux dire, tu comprends? Ça ne va pas nécessairement être atroce que ce que je mange, je ne sais pas, 10 douzaines de bacon. Mais parce que c'est juste ça que j'ai besoin. Il y a d'autres personnes comme des bons athlètes comme Dan Bailey, là, qui est le meilleur des games. Là. Lui, quand il cheat, c'est genre 2 douzaines de bacon. Mais c'est ça que mentalement, il... One shot, puis that's it, de toute façon, ça lui fait tellement mal, il se lève le lendemain, là, c'est comme s'il avait trop bu la veille. Tellement tu te sens pas bien. Fait que là, il est comme, je fais plus jamais ça. Il recommence 6 mois plus tard, c'est clair, parce que t'as oublié, tu sais. Mais ton verre de vin, là ça va avec. Oh oui, parce que le gars, la personne a testé, genre, moi j'ai pas le goût d'être un athlète olympique, je consomme très bien en buvant un verre de vin par jour. Puis je le vends dans les. Tu sais, c'est calculé pareil, fait que ça se prête pas trop son insuline, c'est correct. Je pourrais le faire tous les jours, c'est juste que j'ai des bonnes chances qu'on ne voit pas cette personne-là gagner les Olympiques dans quelque chose. Mais il va très bien fonctionner, puis si ton but c'est juste d'être en forme, puis de mieux d'apprécier la vie, tout ça, il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Avec Zone, ça te permet de restreindre ça. Tu pourrais manger de la crème glacée à toutes les soirs, puis le calculer avec Zone, ça va faire moins de dommages dans ton corps que si tu faisais juste n'importe quoi, tu comprends? C'est juste pas aussi bon que si à la place de la crème glacée, tu manges des légumes. Ouais. Mais c'est déjà mieux. Tu sais, la dernière chose, en fond, c'est ça. C'est que tout est sur un continuum, de genre, mettons, parfait à imparfait, pas la conjugaison. Puis, c'est sûr que si tu fais zone, mesurée, puis clean, c'est mieux. Puis après ça, tu vas tout le temps être le plus haut. Manger, je vais te dire un truc, là, manger clean, mais rien mesurer, là, ça va être en bas de manger moyen mesuré au niveau de tes performances et de comment ça se passe. Parce que ça, c'est la même chose que le Brazilian Steakhouse. Il y a plein de gens que parce que c'est paléo, c'est un free car pour manger autant qu'ils veulent n'importe quoi. Tu peux pas vivre en mangeant 25 onces de steak à chaque repas avec genre 18 biscuits paléo. Parce que ça vient à genre manger plus de gras que moi qui s'entraîne 3 fois par jour pour essayer d'aller au gain. Ça marche pas. Tu peux pas entraîner une mauvaise diète. Même si c'est paléo, même si c'est clean, tu peux quand même mal manger. Même chose qu'avec ton chien. Si tu lui donnes trop de bouffe, même si c'est la meilleure bouffe canine genre, au monde, tu vas être beau. C'est quoi le site? C'est moi. Matcan. Matcan. Il n'y a pas d'application, Matcan. Non. Non, mais il y en a plein, mais ils sont over complexes. Je suis allé voir un peu parce que justement, on avait jasé. Ils ont de l'aide, ils n'étaient pas si simple. Ouais, mais c'est rendu genre trop complexe, je trouve. Il faut le garder simple. De vue, là. Puis, je veux dire, moi, c'est relativement précis. Mes affaires, mais c'est simple. Tu sais, une once de viande, c'est un bloc. Mais le livre, date pour moi de la bulle. Ah, oui, c'est ça. Mais là, moi, c'est contre le poisson. Peu importe le poisson que je mange. Si il y a 1,5 de poisson, c'est un bloc. Peu importe le poisson que je mange. C'est sûr que de la mangue, c'est pas exactement pareil. Comme ça. C'est bien de manger. Ça change rien. Mais là-dessus, là, genre, est-ce que je devrais manger avant de dormir? Combien de fois je devrais manger dans la journée? Est-ce que je devrais prendre un café? Est-ce que je devrais prendre un pré-workout? Est-ce que je devrais prendre un post-workout? Est-ce que je devrais. Genre, cuire mes légumes, pas cuire mes légumes, prendre du thé vert, peu importe. Toutes ces affaires-là, le mieux, c'est manger clean, puis après,
introduire la nouvelle affaire. Fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que vous ayez votre propre data. Il faut que Phil, il connaisse comment ce qu'il performe avec ce qu'il mange en ce moment. Puis là, il fait un changement. Il décide de manger un repas de plus par jour avec, tu sais, moins de bouffe, mais un repas de plus par jour. Est-ce qu'il y a plus d'énergie? Est-ce qu'il y a moins faim? Est-ce qu'il dort mieux? Est-ce qu'il arrive genre à mieux performer dans les workouts? Si oui, c'est bon pour lui. Sinon, même s'il y a un article dans Chatelaine qui dit que c'est bon, non, mais c'est vrai, parce que tout le monde est un peu expert là-dedans. Mettons, on a 15 blocs à répartir dans la journée, est-ce qu'on est obligé? Toi, t'as déjà plus 12, mettons. Ok, moi, c'est 12. Est-ce que je suis obligé d'avoir 10 ans? Non, tu pourrais genre le faire. Ça va dépendre avec toi aussi. Si tu manges juste 3 repas dans la journée, il y a plus de chances que tu aies faim. Il y a plus de chances que tu aies des gros gaps entre tes repas. Puis si tu n'es pas super occupé, que tu sois comme. Peut-être prendre quelque chose que tu ne devrais pas manger. C'est tellement bon. Honnêtement, la fois que tu es malade avec Zoom, c'est que tu as ton nombre de blocs, tu essaies de les répartir où est-ce que tu penses que tu vas avoir faim, puis c'est vraiment simple parce que tu as juste ça à manger. C'est ce qui est, quand j'ai commencé Zoom, le truc qui était incroyable, moi j'avais tout le temps faim. Tout le temps peur de passer à manger, tout le temps faim. Je faisais 135 livres par contre, puis je mangeais quand même mal. Puis là, quand j'ai commencé à garder 15 blocs, c'était comme la moitié de ce que je mangeais. J'étais comme, oh my god. Ah, oh, je me suis dit, je mange tout le temps. Mais la part, c'est que c'est vraiment. La part, c'est que c'est vraiment simple parce que t'es comme, OK, mon repas, j'ai pas besoin de me poser la question est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas, c'est ça. C'est 4 blocs, c'est ça mon repas. Fait que là, je mange mon repas, puis je suis comme, j'ai pas besoin de me poser la question, j'ai-tu encore faim ou pas. Puis je suis comme, mon prochain repas, il est à 10h. Puis c'est dans ce pot-là. Non, mais ça rend la chose vraiment simple. Parce que sinon, justement, quand tu fais ça, t'es comme, j'ai-tu encore faim? T'en veux-tu encore? Oui, non. Je veux dire, tu sais, t'as pas, tu sais pas, là, tu sais. Ou au contraire, tu manges pas assez, tu sais. On a travaillé beaucoup avec Juliette, c'était le contraire. Genre, elle, faut qu'elle mange assez. Fait que là, elle sait jamais, genre, j'ai-tu assez mangé? Faudrait-tu que je me force à manger plus? Tout, tu manges des 3 blocs? Oui. Ok. Tu sais que ça fonctionne pour toi. C'est juste le calculer. Si tu prends genre un truc comme on a 6 plus, c'est super simple parce que 6 plus c'est 2 blocs de protéines, 1 bloc de glucides. Fait que, exemple, tu prends 2 scoops plus un fruit, t'as 4 blocs. Ça donne un repas de gros. Il manque les gros. Ça compte pour un. Ouais, tu rajoutes 6 ans. Tu peux pas manger après ça, c'est vraiment ça compte pour. Tout ce que tu prends, tu le calcules. T'as dit qu'il y a plus de son besoin. Disons, moi, je serais 20 blocs. Oui. C'est mieux de diviser ça dans la journée égale. Pas faire 2, 2, 2, 2. Oui. 10. Oui, oui. Parce que ça va se paquer ton insuline, comme tu disais tantôt, parce que ta quantité est plus grosse. Oui. Après, ça, c'est vraiment simple, le truc de l'insuline. Quelqu'un qui n'a pas de problème, ça va dépendre de ton style de vie. Je veux dire, il y a des gens qui fonctionnent ultra bien, ça fait quasiment faire du intermittent fasting. Si tu spikes ton insuline une seule fois dans la journée, ça amène des bénéfices. Il ne faut pas capoter à genre spiker ça. C'est juste le problème, c'est que nous on le fait trop. T'sais, c'est comme en Australie, à un moment donné, il y avait une épidémie de cancer de la peau, c'était malade mentale, parce que c'était tous des gens qui venaient d'Angleterre et qui vivaient dans un endroit parce qu'il y avait du soleil. Fait qu'ils ont commencé à être comme, il faut mettre de la crème solaire pour aller au soleil. Le soleil, c'est quand même bon. C'est juste trop, c'est un problème. Fait que spiker ton insuline, c'est quand même bon. C'est anabolique, c'est comme ça que tu fais de la masse musculaire aussi. Fait qu'il ne faut pas trop capoter. Si ça arrive une fois dans la journée, il y a beaucoup de très bons athlètes qui mangent très peu dans la journée. Boom! 2-3 repas le soir. De 10 blocs chaque. Puis ils fonctionnent vraiment bien. Mais ça, quand vous tweakez tout ça, posez-vous la question, est-ce que tout le reste a été réglé? Tu comprends? T'sais, si vous êtes encore loin de votre objectif de perte de poids ou de performance ou de ci ou de ça, restez le plus basic possible. Si tu es rendu quand même relativement proche de comment, là tu peux commencer à être comment, je vais tweaker ça, je vais tester si le thé vert est bon pour moi, je vais tester si c'est mieux de manger un gros repas à la fin qu'un peu dans la journée, parce que si tu te sens mieux de même, ça c'est correct. Parce que tu es quand même rendu proche.
Mais mettons, Steve qui doit commencer à le faire, je ne veux pas lui commencer à. On va regarder ça simple. Il va manger 5 fois dans la journée. 5 fois. Mais ça ne serait pas nécessairement. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nécessairement atroce de spiker ton insuline. OK. Comme genre, ça peut le laisser. Mais le problème, c'est que quand tu fais toute la journée, c'est bon. Une fois de temps en temps, c'est pas. Tu pèses combien, Matt, là? 175 le matin, 178 le soir. C'est pas juste ta bouffe, hein? Le matin, je suis 220, puis le soir, je suis 250. C'est parce que je vous laisse foncer dedans dans la poche. Ah, parce que moi, je parle. Cool, mais. Fait que dans le fond, il faut vraiment essayer de. Ça, c'est vraiment important. Ça va vous enlever bien des problèmes potentiels plus tard. Style hyper-insulinie et tout ce qui est rapproché à ça. Mais. C'est comme incomplet si vous ne trouvez pas une façon de mesurer. Puis aussi fou que ça peut paraître, même quand je ne connaissais pas le son, j'écrivais quand même un petit peu tout ce que je mangeais. Je suis un petit peu fou. Parce que je faisais du sport. Puis un moment donné, le nutritionniste m'a demandé de donner mon log. Là. Dans ce temps-là, il calculait tout en calories. Là. J'étais entre 3200 et 3300 calories par jour tous les jours. Fait que même sans vraiment avoir un truc super sophistiqué, je fonctionnais vraiment bien parce que dans le fond, je mangeais tout le temps. T'sais, j'avais trouvé entre guillemets une recette qui fonctionnait bien pour moi, puis vu que je mangeais à peu près tout le temps la même affaire, parce que j'étais tout le temps sur la route, fait que c'était facile d'amener un peu de viande, un peu de légumes, un peu. Fait que dans le fond, c'est commun à tout. Ça n'a pas besoin d'être zone, ça peut être votre propre façon. Le zone, le truc qui est simple, c'est que. On le connaît tout maintenant. Puis c'est vraiment facile. T'sais, une pomme, c'est deux blocs. Un toast, c'est deux blocs. Une once de viande, c'est un bloc. T'sais, c'est facile à. Au bout d'un moment donné, c'est vraiment facile de savoir, sans trop se casser la tête, là, c'est combien de grammes, de ci, de ça. Puis 15 blocs, c'est facile à additionner dans sa tête pour savoir combien il nous en reste à la fin de la journée. Là. 222 grammes de protéines, ça devient compliqué. Je suis rendu à 172, je suis rendu à 178. Fait que c'est juste. C'est vraiment plus simple de cette façon-là. Mais vous voyez, on n'est pas de quel système. Mais moi, je vous conseille avec Zone. Puis une fois que vous voulez commencer, vous juste me demander, je vais vous dire le nombre de blocs que vous êtes. On check pendant 2, 3, 4 semaines, puis on ajuste pour être sûr que vous êtes correct. Moi, je l'ai testé pendant un coup. Ouais. À moins que tous tes repas soient juste des fruits. Mais honnêtement, quand j'étais là dans les deux années, là, j'étais à l'université, c'est moi qui faisais mes lunchs, pas juste. Fait que certaines de mes lunchs ressemblaient clairement à 4 onces de poulet, 2 pommes, 12 amandes. Puis j'ai fait ça pendant longtemps. Je suis encore correct. Trop de fruits, c'est vraiment trop de fruits. T'sais, c'est vraiment genre à chaque dessert, tu manges. Oh, on a dit que c'est bon les fruits, fait que tu manges 4 heures. À chaque dessert, en plus d'avoir déjà mangé, c'est tout ce que tu as. Puis après, au fur et à mesure, on regardera, peut-être que tu fonctionnes mieux avec moins de carbs. Peut-être que toi, un bon repas balancé pour toi, c'est peut-être 4 blocs de protéines, 2 blocs de glucides, puis 6 blocs de gras pour avoir quand même d'énergie. Ça, on le tweakera, peut-être que tu fonctionnes mieux avec moins de carbs. Il y a plein de gens qui fonctionnent mieux comme ça. Mais c'est là que tu mets à mesurer. C'est là que tu regarderas. J'ai fait le test, puis genre, je te lave le riz. C'est là que tu regarderas dans mes lunchs. De temps en temps, il y a du riz. De temps en temps, il y a des patates douces. De temps en temps, parce que sinon, c'est vrai que c'est trop. Ça rentre même pas dans mon scooter. Cool? Question? Non? Perfecto? Oui, je voudrais dire quelque chose. Ceux qui ont des iPhones, moi j'ai trouvé une app pour calculer des stocks. Mais c'est
Parce que celle que je vais vous montrer, tu mets du poulet, tu mets du poulet, c'est 120 grammes. Et tu le mesures. Mais le seul truc avec ça, c'est de capoter pas. Si vous prenez une arme, commencez pas à battre pile quand l'arme, elle vous dit que. Justement, 1,5 once de saumon, c'est un bloc de protéines 1,7834 blocs de gras. Dans lui, c'est pas mal. Puis, hein, c'est 1/16 de glucides. Si, il boit quand tu veux savoir ça. Non, mais parce qu'il y en a qui sont aussi bonnes que ça. Si jamais, de toute façon, il y a ça, la règle, c'est quand vous prenez un macronutriment, comme mettons de la viande, posez-vous la question, genre, c'est quoi qui a le plus dedans? Des protéines, c'est des protéines. Parce que de toute façon, Zone a été fait idiot-proof pour ça, en se disant que, non, mais, Barry c'était comme, ça va être bien trop compliqué de dire aux gens, genre, quand tu prends de la viande, ou du saumon, ou du poulet, attention, il y a déjà des gras dedans, fait que faut-tu. Un vrai bloc de gras, c'est 3 grammes. Mais il a dit, c'est juste 1,5. Parce que dans les sources de protéines que les gens prennent, il y a déjà des gras. Fait que tu sais, ça a déjà été pensé pour ça. Mais ça, le problème, c'est que les arbres, ils ne savent pas. Fait que là, ils sortent. Que tu sais, un fruit, là, j'ai vu la dernière fois, une pomme, c'est 2,1 blocs de glucides, puis 0,12 genre de protéines. Comment? C'est juste des glucides, c'est good. Faut que ça simplifie la vie. Faut pas que ça devienne genre impossible avec une calculatrice là, tout le temps. Yeah. Yeah, keep it simple. And usually if you like the white part, you're usually gonna eat the white part, right? So it doesn't matter if one day you eat the brown and then like it's not exactly what it's supposed to be. Yeah, and the more it's fast, it's okay. It's fine. Always calculate that. It's fine. Ouais. C'est ça, si vous mettez à prendre. Si vous voulez simplifier les trucs, là, vous mettez à prendre des produits comme combo. Là. Souvent, les produits laitiers, c'est combo, là, parce qu'il y a deux patentes. Fait que là, tu prends ton pot, là, le yogourt grec, là, tu regardes en arrière. Puis, tu regardes c'est quoi qu'il y a de plus. Fait que là, tu vas avoir un nombre de grammes. 21 grammes de protéines pour 36 grammes de glucides. Mettons 12 grammes de gras. C'est pour 175 minutes. Mettons. En moitié? Mettons. C'est pas grave, c'est pas exactement ça, on s'en fout. Les protéines, c'est 7 grammes. Fait que si tu le divises par 7, ça te donne que de 3 blocs. Les glucides, c'est 9. Si tu divises par 9, ça te donne 4 blocs. Puis ça, assez souvent sur les yogourts grecs, ça risque d'être. Si tu les prends sans gras ou avec gras, ça va dépendre. Mais ici, si tu le divises par 1,5, je ne sais pas exactement, mais c'est donc 7 ou 8. Fait que là, tu aurais un peu trop de gras, fait que peut-être qu'il faudrait qu'on prenne avec un peu moins de gras. Puis il te manquerait un bloc de protéines, puisque tu pourrais rajouter n'importe quoi qui est un bloc de protéines. Puis tu aurais 4, 2, fait que tu aurais 2 fois les gras. Si t'es comme moi, tu fais 8, tu fais 5 fois les gras, genre tu serais comme ok, puis c'est parfait, genre j'ai juste besoin d'ajouter. Puis si t'as presque pas de glucides dedans, t'as peut-être, mettons que t'as 11 grammes de glucides dedans. Tu le divises par 9, ça fait 1. Tu sais, ça fait pas 1,156. Faut pas, si tu te mets à regarder les trucs là, tu sais, tu veux regarder justement 1,9 là, c'est pas 7 grammes de protéines. C'est entre 5 et 6. Mais c'est 1. Et les blancs 2, si tu prends la question. Les blancs 2, ouais, tu peux prendre 2 blancs 2, ça fait 7 grammes de protéines. Fais-tu une sauce à spaghetti, là? Sauce spaghetti, là. Ouais. Si vous faites une recette, c'est ça que vous faites. Fait que vous faites faire une sauce à spaghetti, prenez une canne de tomate, ou deux, ou whatever. Il va mettre ça dans la boîte. OK. Puis
Là, vous prenez de la bière hachée. C'est vraiment bon. Puis là, vous prenez toutes les épices que vous voulez. C'est le poivre. Sur le sel, il y a moins de poivre, il y a moins de tout. Ouais, c'est vrai. Les légumes. Puis vous rajoutez genre une assiette avec des brocolis. C'est Marie, c'est la sauce au spaghetti. On va mettre des carottes. Ouais. Bon. Des carottes, céleri, champignons. Je pense que. Bon, ben, champignons. Ok. Fait que là, vous avez toutes vos patates. Fait que là, ce qui va se passer, vous allez faire cuire la viande. Cuire, c'est meilleur, cuire. Fait que faire cuire la viande. Vous allez mesurer la pesée. Puis là, ça va vous dire qu'il y a, si c'est de la viande hachée, 1,5 g, 1,5 once, c'est égal à 1 bloc. Fait que vous allez mesurer, ça va dire qu'il y a. On va pas une grosse base. 150 onces. Ouais. 15 onces, ça va être plus facile. Ça fait 10, sinon ça fait 100 onces. Ça fait 10 blocs. Il va y avoir beaucoup plus de viande que ça. Mais vous voyez le principe. C'est juste pour que ce soit facile en main. Ok. Si on avait 30, ça ferait peut-être plus. Pas 20 blocs. Ok, fait que vous avez votre 20 blocs. Peu importe c'est quoi le chiffre. Il y a 20 blocs de protéines. Ça, c'est la ligne de protéines. Vous regardez sur votre carte de tomates la quantité de glucides. Là, ça va dire 100 grammes. Mais non. Fait que là, vous multipliez par 9. Ça va vous prendre 10, 11. 11. 11. Là, vous regardez vos légumes, comme vous allez les faire. Vous pouvez être fou et les faire cuire avant. Correct. Ça a réduit. On les fait cuire. Puis là, on les mesure. Les carottes sont différentes, les brocolis, tout, puis on regarde là-dedans, puis on va envoyer un email, puis je vous dis dans les carottes et tout ça, fait que vous mesurez. Puis là, ça va donner un nombre de blocs aussi. Puis là, mettons 5 blocs. Parce qu'il n'y a pas grand-chose dans les. Là, vous mettez tout ensemble, vous mettez les épices, puis vous allez avoir un gros baril rempli de sauce à spaghetti. Puis dedans, il y a 20 blocs de protéines. Il y a 5, puis 11, 16 blocs de glucides. Là, si vous êtes intelligent, vous avez regardé combien de viande vous aviez cru. Vous avez regardé le nombre de cannes de tomates. Puis le nombre de carottes et tout ça. Puis vous l'avez écrit dans votre recette. Fait comme ça, vous allez mesurer une seule fois, puis une bonne fois pour toutes, puis la tête. La prochaine fois que vous le faites, vous ne mesurez pas. C'est réglé. OK? Puis là, la sauce spaghetti, vous allez prendre ça, vous allez calculer le nombre de tasses qu'il y a. Puis quand j'aime ça divisé par 10, il y a 10 tasses. Fait que dans chaque tasse, il y a quoi? Il y a deux blocs. Puis 1,6 blocs de glucides. Mettons 2. Fait que sur la tasse, sur ça, si vous mettez au freezer, vous marquez une tasse, sur un post-it, là, égale 2 blocs, protéines, glucides. Fait que si vous prenez 2 tasses, vous avez besoin d'ajouter un petit peu d'huile d'olive, vous avez un repas de 4 blocs. Mais sans pas. Des courses. Spaghetti. Parce que là, regardez le chiffre de la patate. Il te manque quelques glucides. Courses spaghetti, c'est pas grand chose. Fait que tu vas à courses spaghetti. Puis les 0.8 qui manquent, là, tu fais 0.8, un bloc de courses spaghetti. Magie. Ouais, je sais quand même. Mais honnêtement, ça va être plus offset que ça. Ça va être plus genre 35 blocs protéines, puis 16 de l'effet.
tu vas devoir ajouter pas mal de sauce avec de la côte pétille. Ouais. Parce que tu vas mettre pas mal de viande. Fait que dans le fond, chaque recette que vous avez, vous pouvez, la première fois que vous la faites, cuire séparé, mesurer, boom, post-it. Là, vous marquez qu'est-ce que ça vaut avec une passe. Comme ça, la prochaine fois que vous le refaites, c'est réglé. Chaque fois que vous faites cette recette de sauce spaghetti, c'est correct. C'est pas parce que la carotte est un peu plus grosse que l'autre la dernière fois, c'est chill. Encore pour toutes les recettes. Tu fais ça pour toutes les recettes. Et si vous voulez, je peux vous en donner. Il y en a plein. North African chicken, Tangier, Mogul Gampan, fried delivered chicken with asparagus. Il y a plein de livres, je veux dire, qui ont plein de recettes. Apple cinnamon square, melon wrapped in ham, frozen peach yogurt, desert omelet. Puis là, c'est marqué, genre exemple, ça sert 8 blocs. Fait que si vous êtes deux personnes à 4 blocs, vous faites ça, c'est de plus en plus de gens. Mesurer cru, comme pour ça. Ça, les mesures que la même manière. Ouais. C'est pas trop la fin du monde. Ça, tu sais, si tu veux pas faire cuire les trucs parce que tu vas les foutre dedans. Ouais, puis sur le paquet de viande, c'est marqué dedans, 4 kg de viande. Je veux dire. Ouais, mais ça, ça change vraiment. Surtout le steak haché. Est-ce que ça va vraiment. Temps, ouais, je t'achète tout le temps le même type de viande, ça. C'est juste, ça va changer tes. Faut juste que tu offres tes blocs de protéines. T'sais, tu vas facilement avoir une protéine sur ça. Faut juste que tu saches que tu mesures de même. Tu pourrais le faire une fois aussi. Fais ça, fais le cuir, regarde c'est quoi le ratio. Le ratio. Utilise tout le temps le ratio. Parce qu'encore une fois, c'est pas la fin du monde. Parce que le ratio, mais c'est vrai, tu peux faire le ratio pour la relâcher extra maigre, mettons, puis la relâcher ou extra. Tu sais, c'est pas le ratio de différence, puis après tu connais le ratio. Même chose pour le poulet, même chose pour tout, une fois, puis il est mort. C'est vrai que c'est plus simple. C'est quoi le what demain? Il est peut-être sorti sur le site. Non, il peut être sorti. Dans 25 minutes. Ah, fais pas la glace. C'est principalement gras. Genre, si tu te mets à manger, non, il faudrait que je regarde, mais si tu te mets à manger, genre comme moi qui fais 5 fois les gras, genre mettons 10 tranches de bacon, là ça commence à avoir des contenus significants de protéines. Mais comme la plupart des gens vont prendre 2 tranches. Je pense que c'est quelque chose comme 5 pour 1. 5 blocs de gras de bacon, t'es dans un bloc de protéines. Fait que tu sais, si tu prends 2 blocs de protéines, 2 blocs de gras de bacon, là, c'est. Mais c'est écrit dans l'œil, c'est combien de. Ouais, ouais, ça dit. Selon toutes les marques, si il est fumé, genre sirop d'érable, ah, ça c'est pas ça. Si tu veux avoir l'objectif de perdre de gras, tu changes tous les ratios, 7. Donc, juste le nombre de blocs. Dans le fond, ton nombre de blocs, il va vraiment. De base, là, ça va vraiment marcher pour la moyenne des gens. Après, quelqu'un qui n'arrive pas à perdre du gras, il y a des chances genre, qu'on réduise un peu ses blocs de glucides. Mais, j'ai rarement vu genre, quelqu'un qui est suffisant, qui ne perd pas du gras, à moins que ça. Tu sais, à moins que moi. À 15 blocs, j'étais supposé être 15 blocs, puis j'aurais commencé à faire un workout tous les deux jours, puis je me mets à 32 blocs. Je vais pas perdre des gros. Mais si tu te mets à ton nombre de blocs, tu vas pas mal. Puis après, il y a des gens un peu spéciaux, je veux dire, moi je sais que je performe moins bien si je mange moins de glucides, mais je fonctionne très bien. Je pourrais baisser ça à 15, là. Puis genre, je vais fonctionner super bien au niveau mental. Je ne peux pas performer si bien que ça, genre, tu vas regarder mon poids. Mais j'ai déjà testé, puis je fonctionne très bien. Je ne vais pas être comme. Je vais fonctionner, je vois l'énergie. C'est juste mes performances dans mes mains. Quand tu fais des tests, t'as combien de temps environ? Test? Ouais. Si tu n'as jamais fait ça, 30 jours. Non. Une fois que t'es rendu genre sur zone à. Tu sais, Ben me dit. Hey, ça fait 2 mois là, que je suis à 16 blocs. Si on le switch à 16, il va voir les résultats bien ou pas bien, genre en une semaine ou deux max. Okay. Parce qu'il est déjà comme fine-tuning. Ok, c'est
Mais quelqu'un qui n'a jamais fait ça, la première fois que tu fais les 30 jours, les deux premières semaines, tu vas vous arracher la tête à tout le monde. Il faut que tu continues au moins les deux autres semaines. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, je vous mentirais de dire que c'est facile. Merci, Matt. Cool!